Langui. Un bon contrôle de Michael Lang avec Shaqiri. La remise, c'est parfait. Le centre de Lang, il faut en profiter maintenant. Djemaili, et goal ! Magnifique action. Soleil Laurier, parce que là, c'est magnifiquement joué. Beaucoup de monde dans les 16 mètres, ce qui crée la pagaille du côté des Belges. Et puis derrière, Djemaili. La finition est absolument parfaite. Déjà, le fait d'être là sur l'essai, sur le point de pénalty pratiquement est remarquable de sa part, est normal, mais remarquable malgré tout. Et il est là, il frappe son ballon dans le petit filet. C'est un but extrêmement abouti. Bon, c'est le haut de volée. Hein, la prise de balle. Oh là là, Senderos laisse passer, quelle erreur. C'est dommage. Ah, ce qui est dommage, c'est que Senderos n'est pas prêt à intervenir. Cette action-là. C'est pas possible, on n'a pas le droit de laisser le ballon traîner comme ça devant le but. Le gardien ne peut intervenir. C'est justement au défenseur d'être là, de sentir le jeu. Vous voyez, pour revenir à Seferovic, il aurait eu des propos déplacés envers l'arbitre, en effet, pour la raison pour laquelle il a été expulsé. Oui, c'est ce qu'on peut imaginer, en effet. Attention à De Bruyne, la frappe superbe. Oh, quel tir. Trajectoire incroyable. Il a vraiment une frappe, c'est De Bruyne. En l'occurrence, là, c'est un ballon qui monte et qui redescend sans pratiquement incalculable. C'est un joueur qui a une qualité de passe, une qualité de centre.